comme un Sargon. Tu n'as pas besoin de l'aide de Neith et Artaban pour arriver ici. C'est ici, au sommet du mont Kaf, que tout va se jouer. Sachant ce que cherche Varam, il doit déjà être dans le temple de la divination. Je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve le cœur du Simorgue. Ce genre de pouvoir entre les mauvaises mains pourrait détruire la Perse. Les plumes du Simorgue. J'en ai trouvé. Je sais bien qu'elles ne sont pas pour des personnes comme moi. Ton sang a bien peu d'importance. Ce sont tes actions qui comptent. Regarde ce que Varam est devenu malgré son sang. Tu dois le vaincre, Sargon. Peut-être, mais je vais d'abord essayer de le sauver. Il est possible que ce soit la dernière fois qu'on se parle. Sargon, la bravoure est ce qui fait de nous des immortels. Le destin de la Perse est entre tes mains.
Bonjour. Salut, Sargon. Varam ? Mon père t'a donné la clé du palais. Alors tu peux entrer dans le temple de la divination. Tu es prêt à m'affronter ? Je veux dire, le moi qui a perdu le contrôle. Tu t'es vu adulte ? Je sais juste qu'il est là. Et je veux pas finir comme lui. Sargon, tu es toujours mon ami, non ? Je trouverai. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne l'abandonne. Varam ? Mon père, tu es tu... Je sais ça. Je trouve... J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorg. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Le cœur du Simorg. Nos pouvoirs réunis en un seul. Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité. Varam, aucun humain n'est fait pour exercer un tel pouvoir. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis le premier immortel. Sargon, essaye de comprendre. Les pouvoirs du Simorg m'ont montré l'avenir. J'ai
J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes, notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait, corrompue de l'intérieur. Nous pouvons tout arrêter, Sargon. Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie, des mensonges, de la faiblesse des hommes. Aide-moi à sauver la Perse. Donne-moi tes pouvoirs. Non. Je suis le temps et l'espace. Je suis la création. Et je créerai un nouvel empire parfait. Varan, non ! Tu aurais dû me rejoindre, Sargon. Varam a tout détruit. Le mont Kaf, Persépolis, plus rien n'existe. Ni les immortels, ni personne. Seul reste le néant. Puissant Simorg, toi qui m'as si souvent redonné vie, encore et encore, pourquoi m'avoir choisi moi plutôt que les autres ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ils sont toujours avec moi. Je n'arrive pas à les vaincre. Et si c'était trop tard? Je n'existe plus, de toute façon. Je n'ai pas pu arrêter Varam. Varam n'est pas mon ennemi. Je peux encore le sauver.
vas être le premier témoin de la naissance du nouveau monde, Sargon. Varam, tu te trompes. Le monde que tu as en tête ne peut exister. Je suis le seul et l'unique. Le créateur. Le nouveau monde ne se discute pas. Il s'impose simplement à tous. Pouvoir et ma raison d'être. Un empire parfait m'attend. N'essaie pas, tu ne peux rien. Sois témoin de ma force. Bientôt le monde renaîtra. Sistan ! Bientôt le monde renaîtra. Ceci est mon devoir sacré. Un empire parfait m'attend. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Thank you.
n'essaie pas, tu ne peux rien. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Pouvoir est ma raison d'être. N'essaie pas, tu ne peux rien. Tristan! Tu ne fais que résister à l'inévitable. Non, c'est mon chemin, le seul possible. Tu ne fais que résister à l'inévitable.
Non, c'est mon chemin. Le seul possible. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Je suis l'égal. Sois témoin de ma force. Au nom de la création, n'essaie pas, tu ne peux rien. Tu ne fais que résister à l'inévitable. Non, c'est mon chemin, le seul possible. Tu as pris mes pouvoirs. C'est terminé. Non.
Je suis là pour te protéger de toi-même. Apprends à naviguer dans la tempête, gamin. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Ce sont tes actions qui comptent. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nouveau amis. Sargon. Les pouvoirs du Simorgue ne sont pas les nôtres. C'est terminé. Puisses-tu porter les graines d'espoir à toute la Perse? Varam, non!
chance, Hassan. Les immortels ont réussi leur mission. Que se passe-t-il ? L'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Votre Majesté ? Plus maintenant. Sargon, tu nous reviens avec le Simorgue. Un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louanges. Mes épées servaient la couronne. Mais au mont Kaf, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Ménolias, Radjen, Anaïta, Varam. Tous morts à présent. C'était le prix à payer pour assurer ma lignée. Il y a 30 ans, le roi Darius a été assassiné. Comment est-ce possible ? Je vous laisse confesser cette histoire. Sargon. Regardez la reine. Elle nous cache quelque chose. Pour le roi Darius ! Sargon ! Ne t'en fais pas. Je ferai de mon mieux pour Varam.